Alors, il y a une question, on vous dit, qu'est-ce que vous pensez du retour des hommes de Tophet? Moi, je ne les connais pas. C'est qui les hommes de Tophet? Moi, je ne les connais pas. La question, elle m'intrigue. Toufiq faisait partie du système. Hna qolit nhaw kaع c'est le système. Toufiq et les hommes qui l'ont servi ont été dans le système. Ceux qui ont de l'expérience dans des domaines spécifiques, bien sûr, leur expérience, il faut la valoriser pour encadrer la nouvelle génération. Mais ceux qui n'ont pas d'expérience, ceux qui dont le rôle était de porter les valises, ou de régler des histoires au port, ou des histoires d'affaires, et dont on n'en veut pas. Mais pour ça, ne vous inquiétez pas. Ceux que vous appelez les hommes de Tophet, on les connaît un par un. On sait chacun ce qu'il vaut. On sait celui qui est technicien, qui est encore valable pour transmettre une expérience, et celui qui ne sert à rien. Il y a des questions très difficiles, Njabou, puisque c'est trop technique. Mais tout le monde parle de la grève, mais après les gens commentent en disant qu'il n'y a que la Kabylie qui a suivi la grève et il y aura toujours des infiltrés pour casser la grève. Donc voilà. Monsieur Rahman, c'est les mêmes questions concernant On va passer au dossier de la Libye, la sauf Libye. que je souhaite encore. Madame la Kabylie, c'est le cœur révolutionnaire de l'Algérie. C'est le cœur de la révolte politique algérienne. C'est la Kabylie. Dans l'histoire de l'Algérie actuelle, contemporaine, ce que vous voulez, la Kabylie a prouvé que c'était une zone réellement qui a préservé le gène de l'identité nationale, fière, libre et révoltée. Je suis fier de la Kabylie. Comme je suis fier d'une dame de Blida, j'ai vu ce matin la petite vidéo qu'elle a postée sur Facebook. La dame les rachète un des enseignants pour la grève, etc. Oula, madame, vous êtes vraiment de la trempe de la femme algérienne, guerrière, révolutionnaire, libre. C'est ça, le soulèvement, Jazair, Jazairiyat. الحرات المجاهدات المحاربات الحقيقيات je vous félicite madame malgré votre jeune âge et on passe au dossier de la Libye Oui, et de la exactement. visite Parce qu'il y a des du ministre des commentaires, Affaires étrangères Alors, Monsieur Rahmani. Donc, il y a eu la visite, Le Drian suite à la conférence de Berlin. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé exactement à la conférence de Berlin, M. Rahmani? Je sais que vous avez eu des Bon, informations. disons que, chauffe-vous, là, Le kawaïs, comme on dit. نهضر مع الشعب الجزائري، نهضر مع les Algériens عندهم الحق انهم يعرفوا، وعندهم الحق، ومن واجبنا احنا نعطيو المعلومة الصحيحة. جبهة القوى الحية ورحماني قلنا لكم مؤتمر برلين راح يكون فشل فهو فشل قلنا لكم باللي المؤتمر الوحيد اللي يقدر ينجح في القضية هذه نعود نقوله هو راح يكون مؤتمر الجزائر وبربي راح يكون قلنا لكم باللي تبون
تلاقى مع ماكرون وهو في الصحافه الفرنسيه قال لك لقاء خفيف يعني اون رونكونتر فيرتيف مي سي اون رونكونتر قلنا لكم يا يو اون رونكونتر تبون بلا ديكلاراسيون تاعو لا ديكلاراسيون تاعو كانت فارغه فارغه علاش لانه ما امبوزاش الجزائر كيما دافي سامبوزي في لا كونفرنس دو برلين وحنا قلنا له قلنا له ما نهضرش معاه حنا مو حنا قلنا بلي حقيقه قياده الجيش خيرت بيان سور باش تمانيبيليه ثاني خيرت يعني اضعف خلق الله من ناحيه الذكاء والحنكه السياسيه نيفو تاعو شاف دايره يقعد شاف دايره دونك في برا تبون ا رونكونتري notamment le président français, etc. Suite à cela, j'ai la visite à l'Odria, le Jazeera. Qabel Manahdar, on détaille la déclaration de l'Odria, parce qu'elle est très importante, yani, la déclaration, yani, où je gère le wazir kharijia al-Karansi, yani, muhim jiddan, rachetli kilmsa la déclaration de l'Arabie, bel gisaj. Muhim jiddan, où je gère, l'annou, واش قال هو ثقيل من ناحيه المعنى دونك اولا نروحوا للقضيه الليبيه مؤتمر برلين فشل فشل ذريع داير لا بروف هو المؤتمر تاع برلين البهيم تاع حفتر بصف جنوب طرابلس هذا ممثل رسمي للقياده العسكريه اللي نعتبره قائد عام للقوات بصح ما نعتبروش رئيس الجمهوريه نعتبره قائد عام للقوات مفوض من عند الجيش قال الجزائر مستعده تحتضن فرقاء ليبيين احنا نجاوبوه كجزائريين تهمنا الجزائر والمصالح نتاعها الخارجيه وتهمنا الامن نتاعها والحدود نتاعها اولا المؤتمر هذا باش ينجح لازم يكون مؤتمر يضم كل دول شمال افريقيا ودول الساحل يعني السودان مصر تشاد ليبيا بشقيها دونك البهيم تاع حفتر وسراج مالي نيجر موريتانيا مروك تونس On a dit la dernière fois, M. Rahmani, vous avez dit pas l'Égypte, sans l'Égypte. Sans l'Égypte, عند Rahmani. Oui. لكن هو ما يقدروش يديروها. Parce que Rahmani شويه مكرفش في راسه. يقدر يديرها، هما ما يديروهاش. Diplomatiquement, ils sont obligés. أنا pour moi, j'écarte l'Égypte direct. Soudain, ما نجيبش l'Égypte. Mais je parle maintenant d'un congrès par rapport au Shkair اللي عندنا في الجزائر. Je parle par rapport à l'IANA. Parce que par rapport à l'IANA, l'Égypte, je l'exclus complètement. Et Haftar, je l'exclus. Je ne le reconnais pas. Je reconnais le gouvernement de Sarraj. C'est lui qui sera à la réunion. Mais c'est Haftar. Parce que Haftar est un usurpateur, mortassé. Il a dit qu'il y a des gens. Mais Sarraj, il est le seul qui a été fait, comme nous disons, la famille de l'ONU a été Sarraj. Le monde de l'ONU a été fait Sarraj. Je vais dire qu'il a été fait le monde de l'ONU. Je ne vais pas. اللي ما نعرفش شكون طيشو ولا نعرف شكون طيشو اللي طيشوه عطاوه الدراهم والعتاد وقالوا له اعتوا في الارض فسادا